monde voilà bienvenue sur euh, académie des logiciels d'ingénieurs une chaîne d'apprentissage euh, des logiciels d'ingénieurs voilà abonnez-vous massivement likez ainsi que commentez nos vidéos nous allons continuer euh, notre formation nous allons voir donc euh, la deuxième partie et euh, d'un radier plat vers euh, radier nervuré. Voilà, le bâtiment que nous sommes en train d'étudier, c'est un bâtiment R plus 9 moins 1. OK? Voilà. Alors, sur euh, les radiers plats, voilà ce qu'on avait obtenu comme euh, valeur, donc le moment max euh, suivant la direction des X. Voilà. Maintenant, nous allons placer, euh, donc, euh, nos nervures afin d'analyser de, de, aussi euh, les radiers nervurés. Et puis, nous allons conclure entre les deux, qui est les radios le plus économique et puis nous allons passer directement au ferraillage voilà alors ce que je fais je vais d'abord rentrer là je vais boycotter euh, tout ça je ferme je ferme également ça ça aussi je peux fermer je vais rentrer au niveau de, de la modélisation je rentre voilà ok voilà je rentre vraiment au niveau de, du projet le projet est là voilà alors comment maintenant je peux euh, faire pour euh, modéliser donc le nervure Voilà après prédimensionnement, c'est-à-dire après avoir prédimensionné donc le nervure, ok, euh, la section obtenue, attendez, c'est que je vais insérer ici. Et là je vérifie d'abord un truc ici, euh, voilà, je vérifie d'abord ça, ok. Je viens là, je prends donc poutre. Poutre BA, je clique à côté. Voilà, je mets nervive. Euh, sa section, je vais travailler avec une section de, de combien? Je prends la base, une base de 40. Et puis sa hauteur, après prédimensionnement, euh, je prends une hauteur de, de 70 cm. Voilà. La couleur ici, je vais choisir. Je prends type de couleurs ici euh, ça dépend et eh bien je prends ça voilà matériaux je vais travailler toujours avec euh, le béton 20 ok la base je vais en serrer sa base ici 40 sa hauteur 70 n'oubliez pas que c'est un, un bâtiment r plus 9 moins 1 voilà de l'autre côté ici on aura à placer donc euh, les, euh, les voiles ok et puis maintenant, ce que je fais, c'est quoi Et là, je crois c'est bon. Et euh, au long des gammes, je n'en ai pas besoin. Et puis j'ajoute. Et je ferme. Voilà. Je vais maintenant modéliser. Je m'en vais d'abord sur Projection. Je clique. Projection au niveau de la base. Voilà. X base 0. Je vais placer maintenant. Euh, je vais placer donc. Euh, euh, attendez, je vais chercher une bonne disposition. Euh, bonne disposition. Je fais comment Je vais placer mes noms, mais euh, mineur vir. Voilà. Regardez comment je vais placer ça. J'y suis là. Je clique là. Jusqu'à là. Voilà. J'accepte. Ça va modifier. Oui, j'accepte clique là de l'autre côté fait la même chose ici attendez il faut bien zoomer pour bien cliquer également jusqu'à la fin là jusqu'à la fin là Jusqu'à la fin. Je clique là et puis jusqu'à la fin. Voilà. Je prends maintenant suivant cette direction. Allez pas commettre deux erreurs. Jusqu'à la fin. Ok. Là aussi, je clique. Je clique là. Jusqu'à la fin. Donc, le nervier que je suis en train de placer, c'est très très important puisque ça va donc euh, diminuer. Ça va donc répondre déjà une bonne partie de, des surcharges de l'ouvrage pour alléger en fait les radiers. Voilà. OK. Et là, je, je clique là. Descend jusque là. Je clique là. Il descend également de l'autre côté. Hop, je clique là. Et puis enfin, là. Et puis là. Attendez. Voilà. C'est tout. Maintenant, je ferme. Je m'en vais d'abord sur. 3D enfin de, de voir ma composition voilà voilà donc c'est ça regardez dans le, le que je plaçais là dessus pour bien voir ça je peux même euh, cacher le pêcheur de euh, je peux même cacher le pêcheur de euh, des radiers ou de la dalle je clique là ok ok là maintenant vous voyez très bien voilà, donc c'est ça. Alors, euh, ce que je peux faire également, je, attendez, je vais d'abord rentrer là, je clique pour afficher. Ok, puis je vais cacher le pêcheur de mes barres. Voilà, ok. Voilà, une fois placé maintenant le, le, euh, le, le, le Nerville, c'est bon? Et puis je vais relancer les calculs. Je relance les calculs. Je relance les calculs. Je vais patienter. L'idée à ces niveaux, il faut d'abord bien prédimensionner aussi le, le nervure. OK Vous prédimensionnez correctement le nervure, puisque le nervure va reprendre une, une bonne partie des de charges, afin que les radiers soient un peu euh, allégés. Et euh, ça va faire de manière à ce que. Vous ne puissiez pas avoir des sections d'acier euh, qui sera un peu trop grand. Attendez, je vais patienter. Au moment où la descente des charges s'effectue, moi je patiente. Je patiente. Donc, la rapidité, ça dépend d'une machine à une autre. Hein. Donc, si vous avez euh, une machine euh, euh, qui est vraiment performant, performante, en fait, vous allez voir que ça va couler comme de l'eau. Donc, ça sera un peu rapide. Voilà, étape de résolution. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi Je vais faire la même chose. Je vais d'abord voir... Euh, je prends toujours les cas les plus défavorables. Effet d'ivon. Il est avec effet divan. Résultat. Euh, Résultat diagramme barre. Je d'abord l'effort normal, comme on l'avait fait. J'applique. Ok, je vais patienter. Voilà, 14 000, euh, 1476, 1472,66. Voilà. Allez-y d'abord dans paramètres, euh, paramètres, description différenciée, puis j'applique. Pour que ça soit un peu différent. Voilà, c'est ça. Regardez. OK. Maintenant, je vais procéder de la même façon. Et là, maintenant, je viens là. Je prends résultat. Cartographie panneau. OK. Je commence d'abord par euh, la réaction du sol. J'applique. Réaction du j'applique. Je prends valeur. J'applique. Voilà. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Ouf. Là, ça sera un peu compliqué. Ce que je vais faire, je vais procéder de la même façon. Je vais d'abord isoler ça, comme on l'avait fait, pour bien voir. Euh, et. Euh, pour bien voir ça. Attendez. Là aussi, je vais euh, prendre rien. Je prends rien, j'applique. OK. Maintenant, je vais sélectionner les deux éléments, je viens là, je sélectionne d'abord le radier euh, le puis euh, le nervire. Je prends d'abord la panneau, je vais sélectionner d'abord le radiers radier sélectionné, et puis je viens là, je vais rentrer ici en bas, je prends aussi nervire, sélectionne au même moment, et puis je vais isoler les deux. Voilà. Ok, étant donné que les deux sont déjà isolés, voilà. Vous avez maintenant les radies virés là. Ok, ça c'est le radies virés. Voilà, maintenant, je vais analyser ça ici. Réaction du sol, et j'applique. Regardez. Regardez. Vous allez voir déjà ici, moi je vois que ça a diminué, en fait, en tout petit peu. Regardez ici, vous avez le max, vous voyez Là, maintenant, c'est répandu suivant cette direction. OK Vous voyez, regardez très bien. Les rouges, les gros rouges, ça va d'ici, tout ça, jusqu'à là. OK Regardez cette partie. Euh, la valeur, ça fait 131.27, 140.45. Par rapport à la réaction, il n'y a pas vraiment euh, une grande euh, différence. Voilà, c'est presque la, la même chose. Voilà. Je vérifie d'abord ce qui est beaucoup plus important pour moi, les moments suivant la direction des X. Voilà. Regardez déjà ici. Regardez ce que j'étais en train de dire. Je suis en train de vérifier maintenant les moments max suivant la direction des X ou les moments suivant la direction des X. Regardez, vous allez voir que ça diminuait. Ça vraiment alléger donc les radiers, ok, le nervure que je viens de placer ici, ça a vraiment alléger les radiers. Regardez la valeur ici, 78.31, ok, mais vous allez comprendre que euh, lorsqu'on avait euh, vérifié pour les radiers plats, la valeur allait même jusqu'à 300, 334.67 quelque chose comme ça. Regardez là, le mal ça fait déjà ici je euh, 120.21, je vais chercher

Okay, attendez, je vais vérifier ici euh, moins 21.38 voilà voilà, donc je suis en train de chercher la valeur max, hein, vous allez voir même à, à, déjà à côté ici, vous pouvez bien voir ça vous voyez déjà ici, regardez, vous voyez, la valeur max est là, ok, vous avez donc 81.59 133.34 c'est là, à à dire quoi et donc, le nervire que je viens de placer ici, ça nous a aidé puisque le radier plat, la valeur qu'on avait trouvée, c'était une valeur qui allait jusqu'à 334.67. 334.67 kNm. OK Suivant la direction des X. Mais déjà, rien que du fait que je placé le nervure, la valeur max, si je prends ça en valeur absolue, je vois ici, ça fait 133.34. Déjà, avec ça, je sais que je peux armer. Donc, euh, la section d'acier aussi, euh, ça a diminué. Déjà, je peux utiliser avec le bar de 12. Barre des 10, voire même à la nappe supérieure, bien sûr. Barre des 10, barre, de, euh, barre des 12 ou barre des 14, barre des 16, ça passe. Barre des 14, barre des 16, ça passe. Barre des 12, à la nappe supérieure aussi, ça passe. Déjà, je vois que ça passe. Si je prends ça, je vérifie même à la même, vous allez voir que ça va passer. OK Donc, c'est pour dire que, déjà, à ce niveau, je peux dire que le radier plat, donc, est beaucoup plus économique. Le radier, plutôt, le radier nervuré est beaucoup plus économique par rapport au radier plat. Pourquoi je l'ai dit? Puisque les radiers, euh, donc les radiers nervureux, vont m'aider de manière à ce que les radiers, proprement dit, ne soient pas, donc, armés avec, euh, de quoi? Euh, avec des barres, euh, des sections, donc, plus élevées. OK? Même la section d'acier aussi diminue. OK? Mais je vérifie aussi suivant la direction des Y. J'applique. Regardez, max. Regardez. Vous avez, donc, 92.96 et puis moins 129.50. Suivant la direction de x, y. Voilà, donc euh, 41.74 et puis moins 25.67. Vous voyez Voilà. Donc c'est un peu ça. Attendez, je vais voir aussi euh, la contrainte comme on avait fait. Par rapport à la contrainte ici, euh, 0, il n'y a pas assez de problème. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Donc, voilà ce que je viens d'obtenir. Alors, pour éviter de manière à ce que la vidéo soit très, très longue, déjà, je vais maintenant donc, euh, ferrailler ces radiers. OK, donc les radiers nervurés. C'est ce que nous allons maintenant ferrailler. Ok, voilà, voilà. Et donc, euh, la troisième partie, nous allons voir donc euh, comment faire le ferraillage d'un radier par robot structural analysis. Voilà. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos ainsi que commentez. Passez une excellente journée et bon week-end chez vous. Au revoir.